بكم في اوتوموبيل بوينتين. اليوم جينا لتبرقه وماشيين لعين دراهم pour un road trip avec Jaguar Land Rover. ومعنا دونك سلاح اسكندر responsable showroom chez Alpha International Jaguar Land Rover. شحال حوالك سلاح؟ صافا عايشك ميرسي. Merci à vous pour cette invitation, pour l'événement, le road trip qui va aller du nord au sud. Absolument. Donc, on est dans la région de Tbarqa au Meshin, à Ain Draham, ou la région de Nimtir. Mais le road trip il va se poursuivre. Je vais aller jusqu'à Benzart ou jusqu'à le sud de la Tunisie. Inch'Allah, oui. Donc, on est à bord de ce nouveau Land Rover Defender. Oui. C'est un véhicule qu'on avait découvert à Francfort. Fin 2019, lors de sa présentation officielle. Oui. Bon, Land Rover Defender, en général, c'est un véhicule mythique chez Land Rover. Je ne sais pas ce que c'est sûr. Donc, Land Rover, il y a trois familles. La famille Range Rover, oui. La famille Discovery et la nouvelle famille Defender. Absolument. Defender, une famille. Aujourd'hui, on essaye la version qui est commercialisée en premier, il y a la version 110. À empattement lent, oui. La version 4 portes. En fait, on a la 90 et la 110. Donc il y a la 90 et la 110, mais pour le moment, ils ont les commercialisations d'être avec la 110, que ce soit à l'échelle internationale ou à la... Exactement. À l'international, le 90 déjà est موجود, mais Fitoun, on a préféré ramener la 110 à aller à donc normalement d'ici quelques mois inchallah il y a de 90Z. Alors on avait découvert le Defender, je trouve la grande nouveauté Defender, au-delà de l'aspect technologique ou le fait que Hasnou ils l'ont amélioré fait plusieurs points, c'est la quantité de packs accessoires les sont proposés qui permettent de personnaliser le véhicule selon l'utilisation. Oui, absolument. En fait, Land Rover, ils ont essayé de mettre le plus possible d'accessoires dans le carhab. Le client qui veut, il peut tout choisir. D'une partie, il veut une voiture qui soit halwa mel dakhl ou halwa mel barra sans avoir beaucoup d'artifices comme il dit. Sinon, quand il habite avec un magroum, le off-road, le tout-terrain, le camping, حاجات هكا وكل معناتها il peut accessoiriser la voiture et on est là pour lui proposer tout ce qui se fait mondialement pour accessoiriser la voiture. Ouais. Le Defender de par son histoire, c'est toujours un véhicule qui est associé à l'aventure. Absolument. Au franchissement, aux conditions difficiles. Defender, il parle pour lui directement. Oui. Donc, plusieurs packs déjà. Ça met un pack Adventure, pack Explorer. Formal Urban, Formal Country. Et donc, c'est des packs, il est déjà hadri. Oui. Mais sinon, à part les 4 packs, il peut mettre des marche-pieds, que ce soit fixe, voilà, électrique, enfin, une multitude d'accessoires. Il y a le auvent, la tente de toit, le snorkel, kif-kif, pour tout ce qui est conduite, il y a des protections, le moteur, il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est vraiment la quantité d'accessoires proposés par le véhicule. Vraiment. Les femmes ont des accessoires qui ont attiré mon attention, qui m'a l'échelle, qui m'a la tente de toit. Il y a plein de choses qui permettent que le client personnalise le carabin. Tous les véhicules Land Rover, ils sont capables de faire du off-road, du franchissement. Mais est-ce que la clientèle est réellement tamel fait le franchissement? Elle a juste ça, elle se sort de... Sincèrement, en Tunis, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent un carhaba, ils sortent un carhaba en 0 km ou ils font du tout terrain. Ce qui est bien dans le carhaba, c'est que quand tu sors un carhaba, tu marches avec le ramal, le jbal, le tabin. Bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont amateurs de la chose, tu as la tendance s'inverse ou qu'adine barche abite qu'adine drame ou quoi, mais bon la chose le meilleur c'est que Defender, bon les autres modèles qui me Discovery Sport, l'Evoque ou quoi, c'est des voitures qui sont
pour la route et qu'on peut utiliser en tout terrain sans avoir beaucoup de problèmes. Bon, mais je kimme Defender. Defender, c'est plutôt un off-road urbanisé. Voilà, c'est le contraire. Voilà, c'est le contraire, exactement. Et avec un, ce que j'ai aimé avec l'approche du Defender, c'est voilà, un véhicule qui est plutôt destiné à l'off-road ou bien je me tsouko en ville, mais ça dépendra aussi du pack, le client. Et je dirais le pack urban. Il y a un véhicule de ville. On a une motorisation 2 litres diesel qui développe 200 chevaux et 430 Nm de couple. Absolument, oui. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est sur un véhicule de 2 tonnes 2. Absolument, oui. Et malgré ça, la motorisation, je trouve qu'elle est largement suffisante en termes de performance, en termes d'agrément de conduite. Le moteur, j'aime la Lio, c'est un moteur diesel. Non, du tout, du tout. En fait, ce qu'ils ont fait, Marata, bon, avec le moteur Ingenium, que ce soit Jaguar ou Land Rover, ils ont essayé par tous les moyens, bon, bien sûr, la technologie aide dans tout ça, en fait, tout ce qui est agrément de conduite, la nuisance sonore, pour avoir du plaisir à conduire la voiture. Bien sûr, avec la puissance, les واحد حاجته بها que ce soit في السوقان نتاع كل يوم ولا كان باش تعملها en tout terrain ولا حاجة. Donc la boîte 8 تعاون في هذايا avec une conduite séquentielle كان حد ينجم يسوق كان يسوق بها وكل. Mais et là j'ai aussi été bluffé par le confort du véhicule. J'ai rarement vu caraba aussi confortable. Et c'est vrai qu'il m'a contenté fait la suspension pneumatique. Absolument, oui. Mais vraiment, on a un confort exceptionnel. Hatta par rapport les autres véhicules Land Rover que j'ai eu l'occasion de conduire, je trouve que VD est parmi les plus confortables, sinon le plus confortable. La plus réussie, on va dire. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est donc la technologie de la suspension pneumatique, elle était moujoude. عندها أكثر من 10 سنين في لاند روفر كل ان فيت فيو كو الكهرباء مع هذا الاستعمال نتاعها الاكثر اون تو تيران وكل سي ايزون بري توت لا تكنولوجي حطوها هوني ان فيت شنو كي تقارنها بالديفندر القديم سيتي معناتها لا سوسبونسيون نتاعو كانت يابسه برشا وكل دونك ايزون تو في بور فير اوبليي سا للعباد افيك اون سوسبونسيون اللي هي للاستعمال نتاع كل كو سوا الاستعمال معناتها واحد يبدا مرتاح على قاعده معناتها اي سو سون دون ان كوكون في الكهرباء avec des capacités hors normes. Oui. Oh, c'est vrai que le Defender Lyon, il est passé à une structure monobloc, entièrement en aluminium, donc je fais le châssis à échelle qui m'accable ou qui m'a les autres véhicules 4x4 ou la baroudeur bloc d'homme quoi. Et ça c'est un pari de Land Rover. Vraiment, elle, je trouve qu'en termes de confort, déjà, on a des prestations excellentes. Hatta en termes de rigidité, les parcours off-road, ça va apporter beaucoup de plus. Exactement. Comme je le disais, en fait, la structure monocoque de la caravane, en fait, majeure pour la rigidité de la voiture, le franchissement, au col, le châssis à l'ancienne, au col, pour avoir le transfert entre le car, le moteur, la boîte, le caravane, au col, pour améliorer la qualité de la conduite. Absolument, oui. En plus de ça, on a un intérieur qui est très large, très spacieux, avec énormément de rangements. On est installé. On a l'accoudoir qui est très large, il a son espace, mais vraiment qui est très large. On a une planche de bord très ergonomique, il y a des rangements, mais en même temps, épurée, en plus de solidité, avec plusieurs endroits où on peut s'agripper. Ils ont placé l'écran flottant, on sent qu'il est flottant au milieu. Absolument, absolument. Le levier de boîte, il est positionné à la planche de bord. Quand on regarde la planche de bord, c'est un rappel à les décennies qui étaient à Defender. Donc, qui a le Defender, qui a le carab, عنده حاجات اللي يفكروه في الكهرباء القديمة دونك كو سو سوا منين تشد لا بلانش دو بور الكتيب معناتها تو سا اي في بور رابلي لانسيان موديل دو ديفندر بيان سور افيك لا تكنولوجي اون بلوس بالاكران اللي موجود دونك ان اكران دو 10 بوس ما بين القديم والجديد لمو كل شيء بور افوار سي با ايفيدون C'est pas évident de moderniser Karabakh Defender et de pouvoir proposer vraiment les puristes
maître à chouche, où les nouveaux clients, bien sûr, ils vont être attirés. Exactement, exactement. Ouais, c'est pas facile. Hein, comme un nouveau système d'infotainment qui est très réactif. Le PV Pro, oui. Donc le PV Pro, on a une instrumentation digitale de 12,3 pouces. Absolument. Deux séries. Deux séries à la S, donc à la finition, une finition S. On a quelques finitions en Najmonjiboum sur le moteur de litre diesel, sinon enfin d'autres finitions en Najmonjiboum sur d'autres motorisations. Il est pour le moment disponible vu qu'il y a une homologation au cool, mais on compte les ramener inchallah dans les mois à venir. Donc en termes de matériaux, que ce soit la planche de bord, ou les portières, ou les sièges internes, les parties de tapisserie, dans le canapé, il y a tout ce qui est prévu pour durer. تطلع بالكهرباء ما بنعرفش انا بالصباطك بالطبعه ولا حاجه الامور هذه كل سنه جن با معني خاطر tu peux nettoyer le véhicule. Exactement. Très facilement. كيما في التكنولوجي كيما في le système info divertissement كل شيء tout a été prévu pour que la voiture soit facile à vivre. Voilà, je cherchais le mot exactement. Et à nettoyer et à entretenir. Exactement. Ou كل شيء. Exactement. Donc que ce soit cuir ou voilà, tout ce qui est matériaux limojodin et d'un autre côté, une voiture luxueuse, elle est présentable, que ce soit en tout terrain, ou en sortie, en soirée, ou en famille. C'est que le plancher, le col en caoutchouc, la fameuse la moquette à l'ancienne, le col. Il est tout bateau de la bleue là. Exactement. Il suffit de belle, donc le carré de il faut que le chaillet, donc il est bon. Tout a été prévu bien sûr pour le tout-terrain au col. On a aussi la caméra Clear Sight View. Clear Sight View. En fait, la caméra mahtouta ala l'antenne elle est موجودة في السقف. Voilà. On a tatik une vue arrive blikda ala tout ce qui se passe à l'arrière. Ma'ada kan had par exemple le coffre نتاع الكهرباء معبي ولا الكهرباء فيها 7 personnes. Donc on a 4 prises 12 volts et 7 prises USB. 7 prises USB 7 entre l'avant et l'arrière. 7 prises USB exactement. À les trois rangées, et bien sûr, en option, on peut rajouter de la connectique. Bien sûr. Alors, au sol, on a le barrage de Bnimtir, où on a un terrain qui est plus l'utilisation. Exactement, le caractère de la défense. Donc, on a un terrain de response. Il suffit de mettre le bouton. On va avec la molette, on a le programme de conduite pour le float. Donc, on peut choisir une éco, confort, herbe, gravillon, neige, boue, ornière, enfin, plein de programmes. Oui, les modes de terrain response, le caraba s'adapte au mode qui est choisi. Alors, tout ce qui est technologie, le caraba t'aide pour que le caraba ne s'éloigne pas, pour que tu marches dans le sol. Et le mode rocaille, en fait, c'est un mode de chabit, on va dire. D'accord. En tout cas, on est très à l'aise sur ce type de terrain. On évolue qu'il y a une machine à la KS, que ce soit au niveau de la suspension, au niveau de la motricité. Bon, aujourd'hui, on a un temps favorable, on a neige de la boue, la hache, donc caraba, elle évolue assez bien. Très à l'aise. Et pour tout ce qui est blocage différentiel, c'est surtout quand tu as surtout par exemple, عندك عجلة اللي ما عادش تمس ولا غطست برشا ولا حاجة باش ما تزيدش تحفر أكثر ولا حاجة تي بلوك لو ديف معناتها تي بلوك هذاك باش الكهرباء معناتها ما فهمتش نجم تخرج الكهرباء فهمتني اون بلوس تبعث أكثر بويسونس للعجل اللي كيوند لا موتريسيتي اكزاكتومون Mais elle est gérée automatiquement ou elle en fonction du mode terrain response elle choisit. Quand tu as une chose qui est trop extrême, le mode normal, il marche le caraba qui tu veux. D'accord. Il gère tout ça, mais en mode normal. La programmation, tout mode fait une certaine programmation. Elle est tactique, par exemple, tout ce qui est hajar, le caraba, tu as une suspension qui est aïbs. D'accord. Je vais mettre باش الكهرباء تولي ريجيد اكثر ولا سسبنسيون تولي تساعد مش كيما الريسك با دو باش تبامبي نو اكزاكتومون سي اكزاكتومون سا فوالا دونك هوني عندنا لي كاميرا بانوراميك دونك افيك قداش من انجل 12 انجل دونك اونتر لي انجل بروش كيما هكا ولا 6 اقراب و 6 ابعاد وي داكور ونشوفوا كيفاش الكهرباء قاعده ال ريبرودوي لانفيرونمون نتاعها اون طون ريال حتى وقت اللي انغول وي C'est vraiment très bien fait.
trouve que c'est précis, c'est voilà, super voilà précis. Ce qu'il y a d'or. T'as un chauffe Z à tout terrain, on aime chez où à la caméra qui reproduit le sous-boissement dans le canapé. Le grand view, oui. Grand view. Donc, on a un chauffe aucune femme, par exemple, Hajra, et on essaye de l'éviter. À la fonctionnalité vraiment taoun barcha l'offroad. Absolument, oui. Alors on profite de cette petite escale slash pour découvrir le design extérieur de ce nouveau Defender. Oui. Donc on a toujours le design assez cubique, assez massif. C'est fait exprès. Ils ont gardé les lignes originelles de Land Rover. Quand je dis Land Rover, je vais vous dire que Land Rover, tout simplement. Donc, ils ont essayé de garder ça, que ce soit dans le Qoddem ou dans le pare-brise. En fait, ils ont tout fait pour garder le plus possible de gènes le premier Defender. Voilà. On a donc un capot qui est assez large. Oui. Où ils ont repris avec les parties texturées. Exactement. Le pare-brise, il est assez vertical ou Ali pour donner plus de visibilité, surtout oui. L'off-road. Au niveau de la signature lumineuse, donc ils ont repris les phares qui sont arrondis. Absolument. Oui. Mais ils les ont placés dans une sorte de rectangle. Exactement. Et le rectangle m'affiche Bellara. Non, du tout. Voilà. On a aussi une calandre assez massive et assez fermée, je trouve, oui. Par rapport à ce qui se fait sur le marché, sur les SUV. On trouve des calandres hack béantes, barcha. C'est une autre démarche, c'est une calandre relativement fermée. Man. Oui. Vu que le carabin elle va être exposée à d'éventuels chocs, ou elle va être immergée, ça a des lacs ou des niveaux d'eau. Oui. Donc ça permet d'avoir une bonne étanchéité. Exactement. Et une bonne solidité. Exactement. On lisait d'ailleurs plein d'accessoires qu'on peut venir positionner, enfin, oui, des protections sûr. Supplémentaires, que ce soit sous bassement, ou donc, comme la tôle de protection, il n'y a pas de l'autre donc, pour protéger le carter et le radiateur. Il y a une protection en A. D'accord. C'est du caoutchouc, chine, blgdé, il est déjà halli le carhaba. Ou de deux, ça protège. Haja ochre, il y a une partie de l'autre, un sticker personnalisable. Il y a un carhaba 110 ou 90, il y a le sticker juste à la. À la partie centrale de la cabot. D'accord. Tout ça est fait pour embellir encore plus la voiture. Très bien. On passe au profil. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est la partie qui est la plus fidèle, le Defender de première génération, si on peut dire comme ça. Oui. Avec des surfaces relativement lisses et un seul pli au niveau de la carrosserie qui est remarquable, juste sous la partie vitrée. Exactement. Exactement. Ouais. Ouais. C'est la limite c'est-à-dire entre tout ce qui est vitrage ou la caisse de la voiture. D'accord. Ou ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont essayé, c'est fait bien sûr, c'est fait exprès, ils ont gardé les lignes parallèles, les lignes de caisse, c'est fait exprès toujours pour rappeler que le Defender, c'est toujours le Defender. Ouais. Alors, on a des jantes en 18 pouces, c'est des jantes parfaites pour faire de l'off-road, les matrafes sur. C'est des jantes en acier et puis disponibles en blanc et en noir hydraulique. Absolument. Avec une menthe pneumatique Alia donc pour absorber les chocs comme tu as le flow de Blackday. Exactement. Mais j'imagine que l'offre de jantes Barkala Maneha, si on veut quelque chose de plus. Un design plus haka contemporain. Bien sûr. Hein? En fait, on peut. Bon, Kima Kolten Titawa, donc les jantes tollées en 18 pouces. Sinon, à partir de 19 jusqu'à 22, les clients peuvent choisir ce qu'ils veulent comme. Plusieurs designs et plusieurs dimensions, tu as les jantes, donc oui, c'est configurable comme on veut. Très bien, très bien. Alors il y a des petites vitres que Land Rover a repris l'ancienne génération, les vitres alpines. Absolument. D'accord. Oui. Donc c'est des vitres qui te donnent un peu de luminosité dans l'habitacle, surtout par exemple qui m'a fait mes toits ouvrant ou la haja dans le carabassade. C'est toujours un petit clin d'œil, le Defender, le Qadim. Exactement. Et ça refait rentrer de la luminosité dans l'habitacle. Exactement. En fait, les vitres alpines, moi je dis, c'est le modèle. Les années, les fins 40, hatta le tawa, moujoudine, les vitres, bon, wakhru choya par rapport au modèle yakbal, mais sinon ça existe toujours, ça a toujours été pour tout ce qui est safari, ou elle a des déplacements en tout terrain, ou elle a pour avoir une vision, le four. Alors à l'arrière, on a encore un design caractéristique du Defender. Un autre rappel avec un design qui s'arrête net à l'arrière, que ce soit au niveau du coffre ou là du vitrage.
C'est vraiment ça, typique Defender. Exactement, exactement. Ouais. Alors, c'est fait comme dans les places d'autres, que ce soit à la genève, 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 tout est fait pour ne pas perdre l'hygiène. En fait, ils ont essayé de garder le taux, tout simplement. Ouais. Même au niveau de la signature lumineuse, c'est une signature lumineuse beaucoup plus moderne, où j'ai à fleur avec la carrosserie. Ils sont en retrait, il y a les feux vers l'intérieur. Exactement. Mais la forme ou l'emplacement, t'as les feux, ils ont reproduit la signature lumineuse un peu. Exactement. Dans le modèle l'ancien, sorti. Dans le modèle nouveau, d'intérieur. Mais qui t'ouvre la hâte de l'âme ou la chose que tu vois dans les yeux, c'est caractéristique de Defender. Excellent. On a un cache de roue qui protège la roue de secours. Oui. On peut aussi avoir des roues de secours sans cache. Bien sûr. Une belle jante, maladie, mamzienne. Exactement. Le cache roue, il fait partie de la multitude d'accessoires qui sont en train de se faire. Donc, à part le cache roue, on a trois possibilités de boules de remorquage. Donc, il y a bien sûr la galerie de toit qui est en train de se faire. À la genève, il y a un coffre extérieur. Il y a l'échelle kif-kif qui est en t'oslach le tente de toit, femme la possibilité de ramener une tente de toit aussi, ou femme akthar haja pour les campeurs, femme un auvent, il tnajem trakbou mel tel wala ala jnab li howa ça aide comme il dit pour tout ce qui est معناتها كان واحد كان معناتها فما ريح ولا شتاء ولا juste pour se protéger du soleil, donc on peut s'installer dedans. C'est parfait. Donc kim tout aussi Defender qui se respecte, le coffre معناتها يتحل latéralement. Donc on y a un coffre qui est très spacieux. Vous dites, mais il est protégé par un vêtement très solide ou lavable à l'eau. Exactement, la même chose que le parti le Qodamé. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé d'accessoires extérieurs au col. Même pour l'intérieur, on a la possibilité de mettre beaucoup d'accessoires. Donc un petit exemple d'accessoires. Donc comme la douchette. معناتها كان حد عنده كلب ولا مغروم بالبلونجي ولا عنده ديبوت بالطبع ولا حاجه دونك اون رامبلي لو دونك فما اون بيتيت بومب اللي pour mettre un peu de pression dans la douchette ومن بعد واحد ينجم يشلل بها. داكور هذه لا douchette. Exactement, en fait. Exactement. Tout ça c'est le stockage nta. Exactement, voilà. C'est parfait. Donc on a aussi une fonctionnalité très intéressante grâce à la suspension pneumatique. Ouais. C'est donc le réglage nta la hauteur de caisse slash. Pour charger tout ce qui est bagage ou voilà, autre chose. Donc toi, Lina, qu'est-ce que la manip? Donc d'un simple bouton. On tire ou on habite sur la hauteur de caisse. Sur la hauteur de caisse, exactement. Et le débattement, il est important. Donc, ouais. C'est beaucoup plus facile de charger ses bagages. Donc, Liam Slayer, ce nouveau Defender. Est-ce qu'on peut avoir une idée, Manéa, son tarif d'entrée de gamme, mais pour cette finition qui m'a les offert à Lyo, pour que Manéa l'abed ils aient une idée de voilà, le prix de départ. Donc le prix de départ, Mta Al-Karaba, c'est à peu près dans les 340 000 dinars. D'accord. Un peu plus que 340 000 dinars, mais c'est le prix de départ en finition S. Donc qui m'a les moujoudin fait à Ahnatawa, bien sûr. Enfin, il y a quelques options en plus. Le carabah est le carabah toilier Arla Shoya, donc elle est à peu près dans les 356 000. D'accord. Mais on peut commander, on peut commencer à partir de 340 000. Full finition avec la motorisation Hadaya, il y a le 2 litres diesel de 100 chevaux. Très bien. Donc, Lyoum, le carabah, généralement, comme quelques unités disponibles. Vous allez préférer que chaque client ait sa configuration, ses personnalisations. En fait, c'est les deux. D'accord. Donc, Tawa, pour le moment, on a quelques voitures qui sont disponibles en cette place, vu que Khamam n'a pas les agences de voyage qui n'ont pas de voyage. Donc, sinon, quel que soit les clients, quel que soit le client, en fait, il peut configurer la voiture qui est habillée, que ce soit en 5 ou en 7 places. Donc, comme je l'ai dit, on a quelques voitures qui sont disponibles, donc déjà au showroom, elles sont exposées au showroom. Il y en a une qui est équipée avec le pack Explorer, bien sûr, avec tout ce qui suit comme accessoire. Ou sinon, quand il y a quelqu'un qui a une configuration, il peut configurer la voiture qui est en que ce soit en 5 ou en 7 places. Ou pour d'ici peu, on pourra même commander la 2 litres essence P300, donc la 300 chevaux essence. D'accord. Donc, vous donnerez le choix entre le 2 litres diesel et le 2 litres essence. L'IHO, il développe 300 chevaux. 300 chevaux, absolument. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Slayer. Merci, Felo. On va dire à très bientôt, Inch'Allah, pour votre road trip ou à la DZZ via automobile.tn. Merci.
Merci. Merci, à bientôt. Merci.